Suprême constitutionnel annonce sa disposition à recevoir les candidatures au poste du président de la République arabe syrienne. Prière conjointe à l'église de la Sainte-Croix pour le rétablissement de la paix en Syrie et la libération de tous les citoyens enlevés. Les forces de sécurité irakiennes contrôlent la plupart des passages pris par les terroristes pour l'acheminement des armes à Anbar. Après-midi, après les titres, voici notre journal. Le délai fixé pour la présentation des candidatures au poste du président de la République arabe syrienne a débuté aujourd'hui et se termine le 1er mai prochain. Le président de la Cour suprême constitutionnelle, le magistrat Adnan Zreq, a affirmé la disposition de la Cour à recevoir les candidatures en vertu de ce qu'avait annoncé hier le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad Laham. En vertu de la Constitution, Laham avait appelé hier à la présentation des candidatures pendant les prochains 10 jours, tout en fixant le 28 mai prochain comme date de scrutin pour les citoyens syriens résidant à l'extérieur de la Syrie. Les citoyens syriens à l'intérieur de la Syrie sont appelés au scrutin le 3 juin prochain, du 7h le matin jusqu'à 7h du soir, avait également fait savoir le président de l'Assemblée du peuple. Avec une large participation populaire officielle et religieuse, une prière conjointe a été faite aujourd'hui à l'église de la Sainte-Croix pour le retour de toutes les personnes enlevées à leurs familles, dont particulièrement les deux archevêques Yohanna Brahim et Boulos Yazji, enlevés il y a un an par des terroristes armés. Les fidèles ont imploré Dieu pour la libération des deux archevêques pour qu'ils poursuivent leur mission de paix et d'amabilité. Ils ont prié pour le rétablissement de la paix en Syrie. Les deux ministres iraniens et russes, respectivement Mohammad Jawad Zarif et Sergei Lavrov, des Affaires étrangères, ont exprimé à Moscou les relations bilatérales et la lutte contre le terrorisme ainsi que les questions d'intérêt commun au Moyen-Orient. À l'issue de cet entretien tenu en marge de la réunion ministérielle des pays de la mer Caspienne, Lavrov a affirmé que cette rencontre constitue une opportunité pour l'échange des points de vue sur le renforcement de la coopération entre Téhéran et Moscou, notamment sur le dossier nucléaire iranien, la sécurité régionale et les questions du Moyen-Orient. Zarif a pour sa part fait noter que l'instauration de la paix et la lutte contre le terrorisme étaient à la tête des priorités de la politique de l'Iran et de la Russie en vue de résoudre la crise en Syrie. Dans ce même contexte, Lavrov s'est entretenu au téléphone avec l'émissaire onusien pour la Syrie, l'Akhdar Brahimi, des moyens d'une solution pacifique à la crise en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que Lavrov avait affirmé à Brahimi la nécessité de la reprise des pourparlers de Genève entre les deux délégations du gouvernement syrien et de l'opposition. Des unités de l'armée et des forces armées ont éliminé un nombre de chefs des groupes terroristes à Homs. Des opérations de l'armée avaient eu lieu à Babhoud, dans l'ancienne ville de Homs, et dans les deux quartiers de Qusour et Karabis. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont dominé un nombre de bâtiments au nord de l'école, au nord-est de l'école Al-Walidiya, ainsi que le complexe d'école dans la localité de Jabjendeli. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des affrontements opposant des terroristes aux forces de l'armée dans des quartiers de l'ancienne ville de Homs. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée et des forces armées avaient détruit une cache des terroristes à Babhoud. Les unités de l'armée ont également repoussé des terroristes qui tentaient d'attaquer des points de contrôle militaire dans 4 villages de la banlieue de Homs. Le bilan des affrontements entre les deux côtés est 40 tués parmi les terroristes et plusieurs d'autres blessés, dont 5 chefs des groupes terroristes.
Dans la banlieue de Damas, les forces de l'armée arabe syrienne ont découvert, dans une opération spécifique, dans les villages As-Salwarid, Hosh Arab et Ma'moura, deux ateliers pour la fabrication des matières explosives et d'engins explosifs de différents volumes. En Irak, les forces de sécurité du gouvernement d'Al-Anbar ont complètement contrôlé la plupart des passages pris par les terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant. Les forces sécuritaires irakiennes mènent depuis 2 jours des combats pour sécher les sources de l'armement des terroristes de ce réseau. Toujours en Irak, 4 personnes ont été tuées et 15 autres ont été blessées dans un attentat suicide à Karada Est à Bagdad. L'attentat terroriste a visé un café fréquenté par des intellectuels, des artistes et des journalistes. La ministre de la Culture, Mme Lubana Mchaouech, a indiqué que la festivité des journées du patrimoine syrien avait pour but de mettre en relief le patrimoine syrien authentique en organisant des activités dans de nombreux lieux patrimoniaux tels que Khan Asad Pacha, le palais Al-Azm et la maison de Mardanbek. Lors de cette initiative organisée hier à l'occasion de la Journée mondiale du patrimoine, Mchaouech a souligné la nécessité de focaliser sur les artisanats pour qu'ils restent toujours dans la mémoire de tous les Syriens, vu qu'ils reflètent leur identité et leur civilisation. Pour sa part, Mme Boussaina Chaban, conseillère politique et médiatique à la présidence de la République, a indiqué dans une déclaration à la presse que la festivité des journées du patrimoine syrien avait pour objectif de dire au monde entier que la Syrie, son patrimoine, son identité et sa civilisation sont invincibles devant les ennemis. Les journées du patrimoine syrien avaient démarré auparavant au palais Al-Azm à Damas. Le programme du premier jour comprend un marché d'artisanat traditionnel, des expositions et une exposition de calligraphie arabe et des antiquités syriennes, en plus de 2 spectacles de Hakawati et de la boîte à merveilles. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. La Cour suprême constitutionnelle annonce sa disposition à recevoir les candidatures au poste de président de la République arabe syrienne. Prière conjointe à l'église de la Sainte-Croix pour le rétablissement de la paix en Syrie et la libération de tous les citoyens enlevés. Les forces de sécurité irakiennes contrôlent la plupart des passages pris par les terroristes pour l'acheminement des armes à Al-Anbar. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne journée sur notre chaîne. Juste un rappel, pour revoir ce journal, vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.